Voici 11 choses à faire quand justement t'as rien à faire. Le premier, bon ça déjà si t'as pas trop envie de bouger de chez toi, tu peux déjà faire un petit tri dans tes amis Facebook, Insta et tout le bazar. Ça fait toujours du bien de trier un peu. Alors le deuxième, il peut paraître simple mais il est pas vraiment pour tout le monde, c'est justement de ne rien faire. Ça fait du bien d'accepter de rien faire de temps en temps. Le troisième, et si tu faisais un petit cadeau à quelqu'un ou une petite attention, même si c'est pas grand chose en fait, ça fait toujours plaisir de faire plaisir. Le quatrième, tu peux aller faire un petit tour au cinéma, même tout seul, ça fait du bien de temps en temps. Et les salles te remercieront. Tu peux aussi mettre Netflix. Hein. Le cinquième, et si t'écrivais à ce pote à qui tu dois écrire depuis 6 mois et que t'as pas vu depuis 2 ans? Pour le sixième, pourquoi pas apprendre une nouvelle chose? Ça fait peut-être des mois que tu veux commencer la guitare et finalement c'est peut-être le moment. Le septième, tu peux aller marcher un petit peu autour de chez toi et pourquoi pas aller découvrir des endroits qui sont pas loin de chez toi mais que tu connais pas. Par à la découverte quoi. Le huitième, et si t'allais nous cuisiner quelque chose? Alors tu cuisines, tu pâtisses, tu fais ce que tu veux mais régale-nous. Le neuvième, on le sait, la lecture c'est important, alors pourquoi pas ouvrir un livre? Tu sais, celui que tu dois commencer depuis 2000.